Maintenant, comme étudiant, je peux aller consulter la note que j'ai reçue pour mon travail. Donc, le travail sur la loi d'ombre, je remarque que j'ai des notifications. En fait, j'avais fait deux travaux, un sur la loi d'ombre et un sur le texte. Donc, j'ai des notifications pour l'avoir remis et pour avoir été corrigé aussi. Donc, on voit que le document a été remis. J'ai une partie de mon texte. Je regarde la note, 20 sur 20. J'ai aussi le PDF, donc, de mon document qui a été annoté par l'enseignant. Je peux faire la même chose avec le travail de laboratoire où il y avait un document à compléter. Donc, je vais dans mes notifications et je clique sur le devoir. Donc, c'est le devoir qui était à remettre. Alors, on voit qu'il a été remis. J'ai la grille. Mais je peux aussi passer par note. Et je vois ici les travaux, donc production écrite, par exemple 20 sur 20. Et j'ai le travail sur la loi d'Ohm. Donc je peux consulter aussi le corrigé et la rétroaction de l'enseignant. Donc je vais sur mon travail, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais si je descends plus bas dans la page, je vais revoir la même grille, mais annotée. Donc ici, j'ai les annotations de l'enseignant selon sa correction. Et je peux voir aussi le document original annoté, donc le PDF. Et je vois ici ce que l'enseignant a annoté.